Bonjour à tous, c'est Anti, ton super coach passe là. J'espère que tu vas bien, que tu as la rage et que tu es prêt en écoute pour cette rentrée de passe ou de las. D'ailleurs, si tu as choisi cette voie-là, sache qu'une nouvelle aventure commence pour toi. Une aventure qui est quand même très compliquée, semée d'embûches. Tu vas voir qu'elle est déroutante. Mais on va tout faire pour que tu puisses devenir un winner et réussir ton année de passe las. Donc, aujourd'hui, je vais tout simplement te donner mes meilleurs conseils pour bien démarrer ton année, tout simplement, ok? Alors, si c'est pas encore fait, vous êtes d'ailleurs très très nombreux à vous abonner en masse en ce moment sur la chaîne YouTube, merci encore. Donc, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, le lien est très simplement, enfin, le lien, il n'y a pas de lien, c'est le bouton rouge, bordel, le bouton rouge pour s'abonner. Et puis, comme ça, bah, tout simplement, bah, ça soutient la chaîne. Et puis, on arrive bientôt sur le stade ultime des 100K. Et j'ai d'énormes surprises pour vous qui arrivent tout au long de l'année. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à suivre les dernières vidéos. Je rappelle, hein, il y a quand même plus de 350, voire 400 vidéos sur la chaîne YouTube. Il ne faut pas hésiter à les regarder pour toutes les matières de passe ou de las, mais également les cours sur la méthodo. D'accord? N'hésitez pas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un certain nombre de conseils qui peuvent vous être utiles, notamment si tu rentres en passe ou en las. Petite vidéo déjà tout simple. J'ai une vidéo sur les 10 conseils que je peux vous donner, bien sûr, pour rentrer en passe ou en las. Là, je vais vous donner des conseils qui vont être, bien sûr, c'est redondant par rapport à la dernière vidéo, mais je vais rajouter quelques détails qui vont être vraiment très importants pour cette année. Première chose, j'espère pour toi que tu as fait la pré-rentrée de ton tutorat, d'accord? C'est pas obligatoire, bien sûr, mais je te conseille vivement, ça permet déjà de te faire des camarades, ça permet également de découvrir un peu l'université. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, n'hésite pas avant réellement la rentrée. Allez voir l'université, les alentours, les commerces, le CROUS, tout ça, tous les lieux utiles, étudiants. Pour que pendant ton année, en fait, tu puisses ne pas être perdu tout de suite, tu vois, c'est un bon démarrage, pour avoir le connaissance de son environnement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui va être extrêmement important, je sais que je le dis, mais c'est important, vous faites un peu, vous mettez ça de côté, truc tout bête, hein, mais achetez bien vos fournitures. Alors, je prends un truc tout bête, là, j'ai pas ça en stock, bon, une calculatrice. C'est un exemple tout bête. Chaque année, vous êtes extrêmement nombreux à me demander si j'ai pas en stock des calculatrices compatibles pour l'examen. Il y a quelques noms de calculatrices qui sont compatibles pour l'examen. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un stock faible, même quasi nul, au mois de novembre. Bah oui, bah, ils sont pas cons, les mecs. Donc, du coup, ils vont mettre un stock inutile. Enfin, il n'y a plus rien, en fait, en stock en mois de novembre. Donc, tes calculatrices, achetez ça tout de suite. 2 exemplaires. Tout de suite, d'accord? Et vérifiez, bien sûr, les calculatrices compatibles. En général, c'est les Casio. OK? C'est des Casio de collège, hein, ok? Donc, faut bien faire gaffe à ça. Donc, vraiment, voilà, faites gaffe aux fournitures, notamment à la calculatrice qui vous faites avoir chaque année. Donc, ça, c'est un truc que je vous donne tout de suite. Pour les fournitures, moi, je vous conseillerais, alors, maintenant, la nouvelle tendance, et c'est pas une tendance négative, hein, je trouve ça plutôt positif, c'est la tablette où on peut écrire dessus. Pourquoi pas? Franchement, maintenant, les profs vous donnent les supports à l'avance. Donc, premier conseil très simple, vous prenez à chaque fois les supports. Vous allez calquer le support sur votre tablette et pendant le cours, vous allez écrire par-dessus, d'accord? Comme ça, c'est très efficace, c'est très simple. Je vous conseille toujours de lire le cours avant d'y aller. Vous allez gagner un temps fou, c'est ce que j'appelle la R0. N'hésite pas à regarder, bien sûr, la vidéo sur la R0, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein, c'est la méthode DJ, je vous en parle un petit peu après si vous voulez. Mais du coup, c'est important parce que plus vite vous avez lire et pris connaissance du cours, plus vite, derrière, vous pouvez apprendre ce cours. C'est plus efficace. Donc ça, c'est très, très important de bien mettre en place tout ça. Ensuite, j'espère pour vous que vous avez essayé de trouver un logement qui était le plus proche de l'université. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes éloigné de 30 minutes, bon, ça va, c'est encore correct. Mais c'est vrai qu'au-delà de 1 heure, ça commence à être vraiment compliqué pour avoir un rythme de travail efficace, puisque même si on a le trajet le matin en train ou le TER, 1 heure aller-retour, et c'est pas vraiment 1 heure où on peut véritablement travailler de façon sereine. Donc, vaut mieux être vraiment proche de la fac si c'est possible. Donc, j'espère pour vous que vous avez trouvé cette solution-là. C'est très idéal. Et puis, en plus, pourquoi pas meubler, quoi. Si ça encore c'est meublé, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec tout ça. Et puis après, il va falloir tout simplement vous construire un petit cocon. Pour ça, il vaut mieux avoir un petit bureau, cocoon, mais épuré. C'est-à-dire, on va dire 1m20. 1m20, c'est pas mal. À peu près la largeur de ma table à moi. 1m20, 1m40, mais purée, où il n'y a rien dessus, à part votre ordinateur, quelques stylos et de quoi écrire. Juste une feuille. J'ai pris juste une feuille, là, par exemple, pour pas oublier ce que j'étais en train de vous raconter. Ok? C'est tout! Voilà, vous avez juste besoin de ça, pour que ça soit hyper efficace pour réviser. D'accord? Après, bien sûr, vous pouvez ajouter quelques artifices. Bien sûr, quand vous avez un meuble pour pouvoir mettre tous vos classeurs, tous vos éléments, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo très complète sur, qu'est-ce qu'il faut comme fourniture. N'hésitez pas à la regarder, je vous mets mes indispensables juste là. D'accord? Ça peut être pas mal. Ça permet de compléter un peu ce que je raconte. Ok, j'espère pour vous également que vous avez des bases dans les matières les plus importantes de l'année. Je parle bien sûr de la physique, je parle bien sûr de la chimie, des maths et de l'SVT. C'est les 4
base qu'il faut absolument connaître par cœur. Parce que concrètement, même si vous n'avez pas pris forcément les spécialités physique, maths, SVT, etc., il faut quand même avoir ces bases-là. C'est quand même profitable pour pouvoir mieux comprendre les notions de cours qu'on va vous donner. D'accord? Parce que ça va aller vite, hein. Ça va aller extrêmement vite. Là, par exemple, je publie cette vidéo-là. Et puis, en général, la première semaine, ça va. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une semaine de cours plutôt tranquille, on vous met un peu à l'aise avec des cours qui sont faciles à assimiler, vous allez prendre tout simplement le même schéma, en fait, pareil, toujours, chaque année, c'est pareil. Vous allez apprendre l'après-midi, les cours du matin. Ok, jusque-là, c'est ce que vous faites chaque année. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? C'est que la semaine d'après, vous avez de nouveaux cours, et la semaine d'après, vous avez encore des nouveaux cours. Vous pouvez pas calquer, parce que quand est-ce que vous révisez les cours d'avant? Donc, il y a une stratégie à mettre en place. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Je vous conseille, bien sûr, derrière la playlist méthodo pour ça. Mais oui, il va falloir faire très attention. C'est que le rythme va être extrêmement important. Donc, autre conseil que je peux te donner, c'est d'essayer tout de suite d'acquérir un rythme de travail important. Important ne veut pas dire travailler 10 heures par jour. Si vous voyez des anciens étudiants, des membres du tutorat, des prépas qui vous disent qu'il faut travailler 10, 12 heures par jour, n'écoutez pas ça. Franchement, essayez d'éviter de travailler 12 heures par jour, c'est n'importe quoi. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de travailler 4 heures à 6 heures maximum, mais de façon efficace. Attention, quand je dis que travailler 4 à 6 heures ne veut pas dire que je vais forcément travailler 4 à 6 heures. Oui, je vais travailler 12 heures, mais pas pareil. 4 à 6 heures, c'est uniquement des actions d'apprentissage. Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau pendant 4 heures, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire pour ancrer les informations? Ça, c'est 4 à 6 heures, ok? Et les 6 heures restantes, c'est un petit peu d'exercice, un petit peu de réflexion, un petit peu de prose productive, et puis ça va être de l'organisation, de la planification pour les jours qui suivent. Vous allez prendre tout ce temps libre pour faire ça, et pas uniquement apprendre à apprendre, parce que on est limité, notre cerveau ne peut pas apprendre plus de 5 chapitres par jour, c'est impossible, vous allez retenir un tiers, ça sert à rien. Il va vaut mieux retenir tout d'un seul chapitre que d'en retenir un tiers de 3, par exemple, vous voyez. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler moins, mais de travailler mieux. Donc pour ça, je préfère que vous puissiez avoir le temps de travailler, de réviser 4 heures, mais efficacement, plutôt que 12 heures, d'accord? Donc, vraiment, essayez de prendre un rythme plutôt soutenu. Comme ça. De cette manière. Et puis après, au mois de novembre, oui, là, vous serez d'attaque pour travailler 12 heures par jour. Là, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, ça, c'est important. Donc, qui dit acquérir un rythme de travail, dit, créer un planning de révision. Mais un super planning de révision. Un planning de révision qui va être au top. C'est pas parce que vous allez mettre 12 tâches dans la journée que ces 12 tâches, vous allez les faire. Et en plus de ça, est-ce qu'elles vont être bien faites? Donc, vaut mieux que ça soit un planning de révision qui est tout à fait léger. Alors, vraiment, quand je mets léger, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo sur le planning de révision. On a l'impression qu'il n'y a rien dans mon planning de révision. Oui, c'est le cas. Il n'y a rien. Et c'est le but du jeu. Moins vous avez de cours à apprendre dans la journée, plus vous allez assimiler de notions et plus vous allez leurrer votre cerveau. Parce que si vous avez du temps libre, vous allez prendre ce temps-là pour pouvoir justement apprendre de nouveaux cours. Et c'est tout l'intérêt, d'accord? Donc faites ça. Essayez de construire un planning qui va être en adéquation avec vos capacités, d'accord? N'essayez pas de vouloir mettre trop. Vous n'êtes pas encore apte pour ça. En terminale, vous apprenez la veille pour le lendemain. Et en passe-là, c'est pas possible. Il va falloir planifier sur de très long terme, 3 mois au moins au minimum. C'est pas forcément un truc facile, d'accord? Mais c'est important de le faire. Donc ça me ramène à un sujet important. La méthode des J, qu'est-ce que c'est que ce truc? Peut-être qu'on vous en a parlé de la méthode des J dans le tutorat. Donc en gros, l'idée c'est quoi? De manière très simple, c'est de pouvoir faire des révisions répétitives. Vous avez ce que j'appelle le R0, le R1, le R2, le R3, c'est-à-dire en gros, vous allez espacer vos révisions tous les 24 heures, 48 heures, une semaine, deux semaines. C'est ça le concept de la méthode des J. Mais la méthode des J, il faut qu'elle soit évolutive. C'est-à-dire qu'en gros, concrètement, il faut que vous appreniez les éléments essentiels tout de suite. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, tout simple. Je vous l'ai dit tout de suite, vous pouvez, si vous avez le cours à l'avance, vous allez lire le cours et vous allez en cours. Ça fait ce que j'appelle la R0. Vous avez pris connaissance du cours. La R0 aussi, ça peut être intéressant de pouvoir apprendre le sommaire tout de suite. Pourquoi pas apprendre le sommaire? Oui, vous apprenez le sommaire avec quelques détails. Ça, c'est une R0. Et ça dure que 15 minutes. Et vous finissez votre révision sur ça. Et puis le lendemain, vous allez faire une R1. Une R1, c'est quoi? C'est aller un petit peu plus dans les détails, regarder un peu, qu'est-ce qu'il y a un petit peu dans les parties, quelques schémas peut-être, pourquoi pas, mais pas rentrer dans les gros détails, parce que sinon c'est mort. Et puis après, vous allez faire une R2, R3, R4, etc., etc. Bien sûr, j'ai déjà fait des vidéos sur la méthode des J, faut pas hésiter. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo qui peut être utile, pas mal de vidéos d'ailleurs, méthodo, sur d'autres méthodes qui sont vraiment emboîtées avec la méthode des J, je pense que ça peut vraiment vous être utile. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Hein. Ensuite, pour faire la méthode des J, il faut absolument que vous appliquez une méthode qui va être efficace avec celle-ci, c'est la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est une méthode de, on va dire, de productivité. Très très efficace. Puisque, en gros, l'idée, c'est de pouvoir faire des révisions sur des courtes durées. Moi, par exemple, tu vois, quand je suis en train de tourner une séquence vidéo, je me dis, j'ai qu'une heure. J'ai qu'une heure pour tourner cette vidéo.
J'ai 15 minutes pour faire ça, 15 minutes pour faire ça, 15 minutes pour faire ça. Mais c'est exactement ça que vous devez faire. Donc, du coup, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que lorsque vous allez faire, par exemple, votre R0, et ben, vous avez 15 minutes. Vous mettez, par exemple, un exemple de schéma, 15 minutes, pour pouvoir réaliser, bah, ce R0, c'est-à-dire apprendre le sommaire, apprendre les quelques détails, et c'est tout. C'est tout. Ensuite, vous allez faire une petite pause. D'accord? Une petite pause de 5 minutes pour respirer, faire autre chose. Soit vous décidez de continuer ces R0 en R1, pourquoi pas? Si le cours était plutôt facile à absorber, bah, continuez. Sinon, bah, pourquoi pas aller sur un autre chapitre, où il y aura un autre R0 à faire, ou alors vous faites un R1 d'une autre chapitre. Bref, vous pouvez mixer comme vous voulez. Mais l'intérêt, en fait, c'est quoi? C'est de mettre toujours son cerveau en état d'urgence. Donc, si vous mettez votre cerveau en état d'urgence pour 15 minutes, vous êtes sûr qu'il va apprendre énormément. Plutôt que de mettre des sessions de 2-3 heures où vous apprenez un chapitre, où vous êtes comme ça en train de réviser, et puis au bout de 10 minutes, vous êtes en train de regarder dans les étoiles et vous savez plus de quoi vous êtes en train de faire, d'apprendre, vous êtes dans une histoire à vous, vous êtes parti dans les étoiles. Bah du coup, ça sert à rien. Donc, vaut mieux en fait que vous soyez toujours dans l'action, mais avec des pauses qui vont être productives pour que du coup, vous puissiez toujours avoir votre cerveau en état d'éveil. Vous avez compris le concept? Voilà. Donc, la méthode Pomodoro, j'en ai fait aussi pas mal de vidéos, mais je pense que ça peut être pas mal de vous faire une démo. Hein. Ça vous intéresse? Ah, oh, ça serait vachement bien. Je vous fais ça. Je vous fais ça. Allez, je me note ça, de vous faire une démo d'une méthode Pomodoro en direct. Ok? Vous allez me choisir en commentaire le chapitre sur lequel vous voulez que je fasse cette démo-là. Ok? Justement, parlons de ça. C'est pas parce que là, la rentrée arrive. Alors, vous avez deux types de personnes, hein, bien sûr. Je sais pas, vous allez me dire aussi, mais vous avez des personnes qui attendent la rentrée. Et donc, du coup, qui vont tout découvrir. Bon, ces personnes-là, ça va être compliqué pour eux d'aller vite. Hein. Par contre, des étudiants qui ont bien sûr anticipé énormément à l'avance, eux, ils sont vraiment de l'avance. Et ils ont exploré les cours de première année. Je vous conseille de faire vraiment ça très rapidement parce que ça vous permet déjà, si en plus on vous donne le planning de la fac, donc de vos cours, et bien vous pouvez déjà anticiper un peu sur la construction de votre planning de révision et du coup, bah savoir quels sont les cours qui vont être les plus difficiles, les plus pertinents. Ah bah ça, je pense maîtriser ça, je pense que ça va être difficile, etc. Vous anticipez un peu tout ça parce que vous savez pas encore ce qui vous arrive et concrètement, ça va aller extrêmement vite. Et en fait, c'est très simple. Au mois de novembre, on m'appelle tout le temps. Au mois de novembre, c'est le chaos. C'est le chaos total. Les étudiants sont en panique. Ils sont en panique parce qu'il y a du retard, il y a du stress, il y a des cours non maîtrisés. Genre, il y avait de la physique, de la chimie, il y a de la biochimie. Maintenant, je comprends pas, il y a de l'anatomie. Bref, il y a plein de matières qui s'accumulent et il y a des matières qu'on ne maîtrise pas. Et que c'est vrai que des matières comme la physique ou la chimie, il y a très peu d'applications dans les cours. Et du coup, bah, c'est compliqué d'apprendre tout seul. C'est compliqué d'apprendre tout seul. Il faut absolument que vous ayez quelqu'un. Donc, faites appel à un prof. Je vous donne un nom. MT. Voilà. Bon, après, c'est juste pour faire. Moi, je veux pas ma pub, hein, parce que forcément, moi, j'ai beaucoup de monde. Mais je veux dire, voilà, si vous voulez être accompagné, faites appel à moi si vous le souhaitez. Il n'y a plus beaucoup de place. Mais si vous le souhaitez, on peut toujours échanger. Il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit un truc aussi, d'ailleurs. C'est très, très intéressant. Vous savez, je suis là pour accompagner les étudiants gratuitement sur YouTube. C'est le but du jeu, d'accord? Principalement, gratuitement sur YouTube, c'est l'objectif. Mais si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez que vous puissiez être accompagné à travers une plateforme de coaching dédiée à la PASLAS et qui est accompagnée entièrement par moi, dédiée par moi, ok? Eh ben, je vous conseille de vous abonner à la plateforme. Alors, pour cela, je vous explique très brièvement, j'ai une super offre pour vous, l'offre de la rentrée qui est juste dingue et vous permet vraiment d'être énormément accompagné par IT. Je vous explique très brièvement, si vous voulez, un petit peu de quoi il en retourne. Je vous encourage, bien sûr, à regarder les vidéos sur la plateforme en elle-même. Bon, je vous le mets le petit i, là, comme ça, histoire que vous puissiez voir l'envers du décor, à quoi ressemble cette plateforme-là et à quoi ça sert, d'accord? Concrètement, l'offre extrêmement simple. C'est moins 50% sur la plateforme, partout, que vous prenez en mensuel, en trimestriel ou en annuel. C'est le top, d'accord? Donc, en gros, vous allez payer 10 euros par mois au lieu de 20 euros par mois, si vous prenez en mensuel. 30 euros par trimestre, 20 euros, pardon. 20 euros par trimestre, au lieu de 40 euros par trimestre, vous chercherez ça, et 120 euros par an, au lieu de 240. Et ce sera pour toujours, c'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous restez abonné, puisque forcément, les contenus de la plateforme, c'est uniquement pour les premières années, mais également les années supérieures qui arriveront l'année prochaine, etc., etc. Donc du coup, si vous restez abonné, vous aurez toujours ce prix-là. Et donc avec le code rentrée 2024, pour ceux qui prennent la formule annuelle, bien sûr, vous avez quand même beaucoup plus de choses. Vous avez du coup les 12 mini-générateurs de QCM sur Flash, ça fait 5000 QCM pour s'entraîner avec les annales. Vous avez un super kit surprise qui apparaîtra aux alentours de mi-septembre. Et les cours individuels, si vous souhaitez avoir des cours individuels pas trop chers, du coup vous avez un code promo de 220 euros, ce qui vous permet d'accéder du coup à des cours à 36 euros de l'heure, il s'agit bien d'appareil, au lieu de 48 euros de l'heure du coup sur les 10 premières heures. Donc ça vaut peut-être le coup pour tenter. Peut-être que l'accompagnement avec moi c'est fait pour vous, peut-être pas, et du coup ces 10 heures permettent de tester, d'accord?
Donc, il reste encore un petit peu de place. Je dirais pas que j'en ai encore beaucoup, beaucoup. Il reste encore un peu de place. Faut pas hésiter. Voilà, si vous souhaitez avoir un accompagnement individuel, Okay? Et l'offre annuelle, du coup, bah, elle est limitée par contre à seulement 20 étudiants. Okay? Ça, c'est important aussi. Vous puissiez bien comprendre. Donc, ça part assez vite. Donc, voilà, paniquez pas. Et prenez le temps de bien lire tout ça et de vous abonner dans tous les cas. C'est quoi? C'est rien. Hein. En gros, c'est un prix Netflix pour les étudiants. C'est vraiment fait pour vous aider. D'accord? Et ça permet de soutenir mon travail à travers la chaîne YouTube et tous les autres contenus que je peux faire par la suite. Okay? Alors, de manière très simple, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, c'est bon, nickel. Voilà, donc là, en fait, concrètement, vous allez accéder à quoi avec la plateforme Elite? Parce que c'est ça qu'on me pose à chaque fois. La communauté. Donc, du coup, c'est très simple. Vous allez pouvoir échanger avec d'autres étudiants, avec des coachs. Donc, du coup, dès que vous avez des questions, j'y réponds. C'est ça le but du jeu. Le métaversité, si vous souhaitez échanger entre vous, s'il y a des moments de panique, etc. En plus, je fais des bulles virtuelles régulières, donc faut pas hésiter non plus à échanger. Voilà. L'idée, c'est voir le concept de partage et d'échange. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Les consultations. Donc ça, c'est génial. En gros, vous avez une question de cours ou une question de méthode. Vous posez votre question en consultation, dans l'onglet consultation. Et tous les mardis et tous les jeudis, je sélectionne une dizaine, une vingtaine de questions et j'y réponds en vidéo. Comme ça, tous les membres peuvent regarder les réponses de ces vidéos-là. Okay? C'est super intéressant. Voilà. Les lives que je peux organiser tout au long de l'année, donc ça on verra, je vous expliquerai, je vous ferai un petit retour de différents lives. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire aussi un live pour la rentrée. Restez connectés sur les réseaux, tout ça, la newsletter, parce que du coup, je vais envoyer le mail et tout pour vous expliquer comment ça se passe pour live de la rentrée, d'accord? Donc, il y a aussi des masterclass que j'organise régulièrement. Ça, c'est masterclass, c'est un peu les masterclass, c'est un peu ce que vous retrouvez sur YouTube de temps en temps, d'accord? Voilà, souvent, je les mets aussi en replay sur YouTube. Vous avez des bulles virtuelles, ça c'est pour échanger étroitement avec moi, ça c'est pas en replay. Vous avez des classes virtuelles, donc ça c'est vraiment des cours très bien construits, très réfléchis, sur des notions très précises. Et qu'est-ce qu'on attend de vous du coup aujourd'hui? Donc ça c'est important de bien participer aux classes virtuelles, qui sont aussi disponibles en replay sur la plateforme. Les différents calls QCM, donc là si vous voulez vous entraîner avec moi en direct. Et les ateliers collectifs pour ceux qui veulent des cours plus précis sur des points qui sont récurrents. Voilà. Je pense à la physique, à la chimie, au biostat, tout ça. Il y aura aussi des nouveautés hein, cette année, c'est Macadémie TV, c'est la plateforme de streaming dédiée au pastas, vous allez voir, ça va être trop bien. Vous avez aussi la possibilité de faire une expérimentation VR, donc ça c'est si vous souhaitez par exemple faire avec moi des cours gratuits, c'est gratuit, hein, avec un casque VR. Admettons, vous allez avec un casque VR, on fait un casque, avec moi j'ai un casque VR, on fait un cours ensemble gratuit. La seule condition, c'est très simple, c'est que vous acceptez du coup d'enregistrer pour que je puisse mettre sur YouTube et qu'on s'amuse un peu derrière. C'est en version alpha, donc voilà, c'est à la demande. La boutique Nenti arrive plus tard, je vous en parlerai un peu plus tard. Et vous avez tous les outils intégrés aussi, le coach manager. Donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros, vous pouvez uploader vos cours de la fac, très important, et générer des QCM et des flashcards en instantané. Ça, c'est génial. Vous pouvez aussi créer des cartes mentales en instantané, vous uploadez le sommaire de votre chapitre, et hop, il vous fait une carte mentale en instantané. Alors, vous pouvez aussi avoir un agenda dédié, des tableaux blancs, et puis un espace personnel sur vos flashs pour pouvoir du coup accéder au partage communautaire des autres membres, c'est-à-dire concrètement accéder aux plus de 20 000 QCM déjà présents sur la plateforme. C'est génial. Franchement, les membres ont vraiment travaillé. Il y a plus de 600 étudiants hein, sur la plateforme, donc du coup, il y a du level, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi s'amuser. Hein. D'accord? Vous avez accès aussi au programme de l'école. Donc vous avez déjà le défi des 7 jours d'immersion en PASTA, si vous souhaitez bah, justement en profiter de cette première semaine de passage pour faire un peu le défi des 7 jours, vous mettre un peu en jambe, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Ça dépend quand est-ce qu'a lieu votre pré-entrée réellement. Voilà. Et après, vous allez avoir accès aux premières capsules du coup de passage à partir de mi-septembre. Et concrètement, bah, c'est sur l'ensemble des programmes. Ça peut être voilà une capsule par-ci, une capsule par-là, mais vous avez une nouvelle capsule par semaine, un peu comme un programme Netflix, comme un épisode Netflix. Vous avez une nouvelle capsule, c'est-à-dire avec des vidéos, avec des notions de cours, des fiches, des QCM, des flashcards. Bref, vous avez de quoi vous entraîner, d'accord? Et un défi à chaque fois à réaliser avec moi. Par exemple, un truc tout bête, vous voulez faire la cellule. Je vous demande de faire la cellule en dessin. Et ben, bah, vous allez faire ce défi-là, et moi, je vais vous valider ou pas ce défi, d'accord? C'est des actions concrètes que vous devez faire. Voilà. Ensuite, vous avez les programmes de spécialité, la base de données, vous flash. Donc ça, c'est uniquement accès pour les étudiants en annuel, d'accord? Prenez bien ça en compte. Voilà. Partage communautaire, voilà. Donc ça, c'est pareil pour la licence vous flash. C'est aussi uniquement aux étudiants qui prennent en annuel. Voilà. Donc là, l'avantage de licence vous flash, c'est que vous avez accès à tous les modules PASLAS, et donc tous mes contenus. Tout le contenu, les bases de contenu de l'école. Ça représente quand même pas mal, hein. On a 25 000 QCM, 5 000 flashcards, des examens, des concours blancs, des guides de révision. Bref, vous avez de quoi faire pour compléter vos cours. C'est un peu le but du jeu. Vous avez également accès. Alors là, j'ai décidé de vous donner accès, même si normalement c'est pas donné accès, c'est des défis. C'est-à-dire que là, en mensuel et en trimestriel, vous allez avoir accès aux différents défis. Je parle du défi bête de concours et du défi
la méthode ENTI. Défi bête de concours, c'est pour devenir une bête dans la création de QCM. C'est-à-dire que vous allez prendre vos cours, vous allez uploader, je vous explique tout comment faire. Vous allez créer et générer vos propres QCM. Et petit à petit, vous allez commencer à prendre les QCM d'Anal, les modifier, les faire interagir, etc. pour apprendre les pièges et ne pas vous faire avoir. Ça, c'est très important. Et plus vite vous anticipez, plus vite vous êtes des winners. D'accord? La méthode ENTI, ça c'est pour 4 jours pour pouvoir acquérir votre méthode de travail. Donc les 30 premiers jours sont les plus importants. Et après c'est du suivi. Donc il y a une vidéo par jour avec un défi à réaliser par jour, des échanges réguliers avec moi. Et du coup, bah, l'idée c'est à la fin des 30 jours, vous avez votre méthode de travail. Donc si vous êtes sur la rentrée, et bah, c'est maintenant ou jamais. D'accord? C'est vraiment démarrer cette méthode-là, essayer d'avoir une méthode avant la fin du mois. Donc c'est très important. Après, vous avez différents stages. Donc, les stages de pré-rentrée sont déjà faits, mais si vous voulez accéder aux différents contenus, tout ça, vous pourriez accéder. D'accord? Ça, c'est pour l'essence annuelle. Après, tous les stages de perfectionnement, c'est que je fais au cours de l'année. Hein, ça peut être, par exemple, de la physique, de la chimie, des biostats, tout ça, n'importe quoi. Tout ça aussi, c'est inclus pour les étudiants qui prennent un annuel. Après, vous avez la possibilité de prendre super coach aussi. Alors, ça, c'est un truc que je vous conseille si vous, vraiment vous voulez de l'accompagnement individuel. L'avantage, c'est quoi? Vous allez pouvoir envoyer des SMS ou sur WhatsApp, comme vous voulez, mais en tout cas, un échange quotidien sur vos problématiques, vous n'êtes pas motivé, vos listes de tâches, ah ben on pourrait faire mieux, vous avez des problèmes de cours, des questions de cours, ça, ben moi j'y réponds, je vous aide, c'est le but du jeu, c'est super coach. Et ça, c'est vraiment une option qui est très très appréciée par les étudiants, donc faut vraiment pas hésiter, si vous le souhaitez par la suite, prendre ça, voilà, c'est pas extrêmement cher, 100 euros par mois, voilà, c'est que dalle. Et puis les cours individuels, bien sûr les cours individuels, si vous souhaitez, je vous accompagne par la suite. Voilà, donc moi je répète de manière très simple, moi je suis un enseignant, je suis pas du tout une prépa, d'accord? Prenez bien ça en compte, hein, à chaque fois on me compare avec une prépa, pas du tout, je suis juste un enseignant qui vous a créé du contenu de ouf sur la plateforme Elite, c'est tout, voilà. Et puis bien sûr, pour ce qui est des cours individuels, j'essaie de mettre un tarif qui est vraiment très bas, et j'ai fait exprès, c'est mon modèle économique, je vous l'explique encore, c'est important. Mais du coup, j'ai réussi, grâce à la plateforme Elite, à baisser les prix des cours individuels, et c'était mon objectif, d'accord? Du coup, on n'est plus sur des tarifs extrêmement chers, comme j'ai pu faire les années passées, mais sur des tarifs relativement abordable, 48 euros de l'heure, j'ai déjà du mal avec ça, 48 euros de l'heure, c'est abordable, voilà, c'est des tarifs normales pour un prof, voilà, qui fait tout, ok, je fais toutes les matières, d'accord, donc il n'y a pas de limite, à partir des matières de première année de passage, bien sûr, hein, mais je fais toutes les matières scientifiques, bien sûr, dédiées à ça. Il ne faut pas hésiter à me solliciter. Alors, vraiment, ce que je vous conseille, par rapport au cours individuel, pour pas que ça soit la panique, toujours pareil, vous pouvez toujours réserver un petit échange avec moi. Je vous mets le lien en description si vous voulez. Mais en gros, vous pouvez échanger, ça dure 15 minutes. Ça vous engage à rien, mais l'idée, c'est de pouvoir changer sur votre situation. Peut-être vous avez besoin de cours individuels. Ok, bah est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Et moi, je vais essayer de vous orienter pour dire bah, peut-être que sur la plateforme, ça va suffire. Et si c'est pas suffisant, bah, on met des cours individuels en place, etc. Vous pouvez prendre des packs de 10 heures, après vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord? On peut choisir le nombre d'heures que vous voulez, l'accompagnement que vous souhaitez. Je travaille de 6 heures à 22 heures le soir tous les jours, donc si vous voulez des cours tard ou tôt, bah c'est tout à fait possible, d'accord? Voilà, donc je suis hyper flexible et je suis là pour vous aider, c'est le but du jeu, d'accord? Il y a déjà plus de 600 étudiants sur la plateforme, il y a déjà beaucoup d'étudiants que j'accompagne en individuel, donc il reste encore quelques places. Donc ce sont les dernières places, on va dire, parce qu'à partir de, on va dire, mi-septembre, il y aura quasiment plus de places, d'accord? Voilà. Et après, c'est normal, il y a la panique qui s'installe, il n'y a plus de place, en octobre, novembre, je l'ai déjà dit, d'accord? J'ai déjà dit qu'il y en a jamais plus. Vous pouvez voir tous les messages de retour, les commentaires, tout ça, vous savez qui je suis, bref, si vous voyez la plateforme Elite, enfin, surtout si vous voyez YouTube, la qualité des vidéos, bah, bim, vous avez compris, quoi. Ok? Alors, profitez de l'offre d'été, c'est très très simple. Vous allez cliquer sur... il y a les boutons un peu partout, hein. Je m'abonne ici, ou ici, ou ici, vous choisissez votre formule. Bref, vous allez tomber sur cette page-là, d'accord? Je vais un peu zoomer aussi cette page-là. Donc, pareil, qui vous résume un peu tout ce qu'il y a. Hein. Je vous fais pas le check, hein. Vous savez, c'est la même chose, voilà. Ça vous détaille tout. Avec, par contre, vous avez le détail des bonus, hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc, ça vous permet de voir un peu plus en détail. Et puis, vous allez pouvoir sélectionner votre plan. Est-ce que vous préférez payer par mois ou tous les 90 jours par trimestre ou alors à l'année, d'accord? Je vous rappelle... Je répète juste qu'à l'année, vous avez accès à tous les modules vous flash, plus un kit de la rentrée, plus la possibilité de faire du coup des cours individuels avec moi à 36 euros de l'heure au lieu de 48 euros de l'heure sur les 10 premières heures. Voilà, c'est la seule différence. Et trois super bonus. Donc vous choisissez votre plan et puis vous avez. Alors par exemple, je veux m'abonner en mensuel, pourquoi pas? Parce que j'ai petit budget et puis que je veux avoir un petit peu accompagné et être motivé, tout ça. Et puis du coup, bah c'est simple, hein, vous abonnez. Il y a déjà le code promo qui est appliqué, c'est rentrée de 2024. Et puis du coup, vous mettez vos indications, tout ça, vos coordonnées, et puis vous êtes abonné, et c'est tout. Voilà, et vous avez accédé déjà à la communauté. Et tout de suite après, je vous conseille de vous présenter à la communauté. On échangera avec vous, puis ensuite, bah l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner
Ah, c'est ça le but du jeu, d'accord, voilà. Bon, ça, j'en ai parlé un petit peu longtemps, c'était pas le but, mais je ferai une vidéo dédiée où je parlerai un peu de la rentrée, tout ça. Et moi, je vous retrouve du coup pour le live qui va être vieux, je sais pas quand, mais je vais vous le dire par mail et je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Du coup, il y aura un live de la rentrée la semaine prochaine. Et du coup, je vous parlerai de tout ça. Ça va être trop bien, on va parler de la rentrée, on va parler de pas mal de choses. Donc, ça va être cool, ça va être cool et c'est le but du jeu. Moi, je suis super content de pouvoir redémarrer cette année. Pastas, pour pouvoir vous attaquer avec de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts. Il y a pas mal de vidéos en réflexion, en tournage, tout ça. J'ai noté plein de choses, donc j'espère avoir le temps de vous faire tout ça. Et ça va être trop bien, quoi. Ça va être trop bien. Voilà, on arrive sur un truc vraiment, vraiment hardcore. Alors j'ai plein d'idées en tête de ouf. Et ça, je vais les distiller dans le temps pour vous expliquer un truc tout simple qui va arriver en 2025. Ça va être juste un truc de dingue. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous en masse. Donc pour cela, il va falloir s'abonner en masse sur la plateforme Elite, voilà, pour que vous puissiez pour que vous puissiez découvrir toutes les nouveautés qui arrivent. D'accord? Voilà. Bon, alors, je vous souhaite une excellente rentrée, comme je l'ai déjà dit. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à profiter de l'offre. Ça dure. Ah oui, je ne l'ai pas dit quand. Alors, c'est du dimanche 1er septembre au dimanche 15 septembre de 23h59. D'accord? Donc n'hésitez pas à profiter de l'offre avant que ça soit expiré, parce qu'après, bon, ça vient en tarif normal, il n'y a pas de bonus, il n'y a plus rien. D'accord? Voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, c'était difficile la sortie. La conclusion est moyenne, hein, je l'avoue, je l'accorde, mais bon, c'est pas grave. Hein, les vidéos de la rentrée, on n'est pas encore hyper performant, faut encore que je me remette dedans. Ça fait quelques semaines, j'avais pas fait de vidéo d'ailleurs. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai rien dit, hein, mais j'ai déménagé. J'ai déménagé et j'ai gardé le décor. D'accord? Certainement, je vais vous solliciter pour savoir si pertinemment, est-ce qu'on change de décor ou pas. Pour 2025. Ouais, je vous solliciterai pour ça. Ce sera très important pour moi par la suite, parce que au-delà des concepts, des cours, des vidéos motodo et tout ça, j'ai des concepts beaucoup plus forts. J'ai pas dit que j'allais devenir un grand youtubeur. J'ai juste dit que j'avais un concept plus avancé en tête. Du coup, j'ai besoin de vous, voilà, pour avoir ces idées-là. N'hésitez pas à me solliciter, à me donner des idées en commentaire, d'accord? Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à vous. À très vite. Ciao, 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 ciao!